My special envoy has returned today, and I should now be in a position to submit shortly a comprehensive report to the Security Council under Resolution 379. As I had already stated last Sunday, I wish to assure the Council that I shall continue exercising every effort to contribute to a peaceful solution of the problem before the Council, the importance of which has just been underlined by the Council through the adoption of yet another resolution. En el párrafo operativo primero se deplora la realización de la marcha. Pero falta un elemento fundamental, que es precisamente el hecho ilícito que se ha cometido, que es la violación de una frontera y el atentado a la integridad territorial del Sáhara. Mi delegación hubiera deseado ver incluido ese elemento fundamental en el proyecto. En cualquier caso, señor presidente, creemos que los términos de esta resolución son suficientemente claros, sin ambigüedades, para que el gobierno de Marruecos proceda a retirar inmediatamente a todos los participantes en la marcha del territorio del Sáhara Occidental, como determina el párrafo segundo de esta resolución. Je demande de la façon la plus formelle l'information qui vient d'être communiquée au Conseil par le représentant de l'Espagne relative à un prétendu changement de la position du Maroc et de la signification de la marche pacifique, ainsi que l'a déclaré Sa Majesté Hassan II. La marche est menée par des civils, hommes et femmes, non armés. Le Maroc maintient dans tous ses éléments sa position initiale et je déclare solennellement que le gouvernement marocain est décidé à éviter tout incident avec les forces armées espagnoles. Le Maroc réaffirme solennellement sa volonté de rechercher une solution dans le cadre des Nations Unies. Cette position a été rappelée à M. le secrétaire général Waldheim et à son représentant par Sa Majesté Hassan II lors des visites effectuées au Maroc.